la tour. Ah, la tour, d'accord. Ouais. Ici, elle est là. Ah, c'est là. Voilà, la tour. Paf, ça y est. Ah bon, c'est tout bon. Elle est cachée là. Ouais. C'est bon. Vous allez prendre le café. Là. Ici, c'est une usine. Hein. Là, il y a un locatif. Et puis là, il y a un locatif. Ouais. Je suis là. Je suis là, là, hein, je pense. Non. Parce que là, c'est toujours proche, là. Ouais, ouais. Non, ouais, mais ouais. C'est là, parce que je suis en face. Ah, ben voilà, justement. D'accord. C'est bon. Bienvenue à tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui pour ce forum. Forum qui s'inscrit dans le diagnostic communautaire de la planique rosée à Écu Blanc. Donc, le diagnostic communautaire est un projet de Bosonic Tout est Vaud qui s'est déjà terminé en différentes communes donc, du canton Vaud, comme Renaud, Clarence et Glan. Alors, je me réjouis de passer cette matinée avec vous. Encore merci d'être ici. Et avant de vous présenter donc, le menu du jour, j'aimerais passer la parole à M. Pierre Kelly, de Sénic des Cublans, pour la bienvenue. L'idée était d'apprécier une situation actuelle sur le terrain, mais encore plus, ce diagnostic a également un effet immédiat, je dirais positif. Positif sur toutes les personnes qui ont participé à ce diagnostic communautaire. Vous vous êtes rencontrés, vous avez tous dialogué ensemble, vous avez participé à une réflexion pour améliorer la vie de votre quartier. Cela s'appelle des liens sociaux. Voilà, donc la matinée va vous en donner un peu plus d'événements, plus de remarques, plus de réflexions, etc. Et je tiens à remercier tous les participants, principalement Prosenec Toutet, pour tout le travail qui a été fait, ainsi que les partenaires qui ont été associés à cette étude. Sans oublier également tout le monde, collaborateurs de la commune, et bien sûr, les principaux acteurs, c'est vous, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre participation, et j'espère que la matinée va bien se passer, on va passer jusqu'à midi tous ensemble et nous verrons le résultat. Il y aura des suites, en tout cas on souhaite, et on espère que ce sera pour le bien de tout le monde. Merci, bonne matinée. Alors, le diagnostic communautaire. Donc ici on a une photo, donc quelques photos du quartier. Donc, il a commencé, comme j'ai dit avant, en mars 2011, il va se terminer à fin février. Donc les personnes concernées par cette démarche ont été donc, les habitants de la planique rosée de plus de 55 ans, mais aussi certains habitants qui fréquentent souvent la planique rosée. Alors, différents partenaires nous ont accompagnés tout au long du projet, la commune d'Écu Blanc, la Prémadol et le CMS d'Écu Blanc, la coopérative Prima Vesta, et également Écu Blanc Animation, Altrant Architectes, l'Union des sociétés locales, la police de l'Ouest lausannois, la paroisse protestante d'Écu Blanc, l'EMS Clair Soleil et la commission d'intégration Suisse-Étranger. Merci à eux pour cet accompagnement. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Marie-Madeleine Saïquin pour un témoignage au nom du groupe Habitants. Donc, voilà. Alors, le groupe Habitants s'est formé à la demande
des animateurs de proximité qui ont recruté différentes personnes dans la population du quartier du Creuset. Dès le mois de mai, plusieurs personnes se sont retrouvées toutes les deux semaines avec les animateurs de proximité qui sont là et à la petite salle du Veillou pour échanger, donner leurs idées et s'organiser pour effectuer des enquêtes auprès des autres habitants intéressés à la vie et à l'avenir du quartier, en lien avec les nouvelles constructions. Ces enquêtes nous ont aussi donné l'occasion de faire de nouvelles connaissances et de créer des nouveaux liens. Le gros travail de dépouillement a également été réalisé sur la base des questionnaires. Nos rencontres du groupe habitant se terminaient toujours par un moment convivial et fort sympathique. Nous souhaitons aussi vivement que certaines réalisations demandées par le groupe habitant et qui se retrouvent également dans les enquêtes soient prises en compte. Et voilà tout ce travail pour le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Voilà, les liens sociaux, c'est par ici. Je vous en prie. Vivre ensemble dans la plaine du Creuset. Nous sommes deux animateurs pour animer ce groupe de travail. C'est M. Bernard Barmal. Voilà, qui est du CMS. Et puis, votre serviteur, Claude Masson. Un peu plus de 4 ans que je suis à Cublon maintenant. Voilà. Et puis, alors, je n'habite pas la commune des Cublon, mais j'y viens quasiment tous les jours quand même. La circulation a augmenté, et puis ça s'est beaucoup développé. Voilà. Daniel Petouliubin, municipal, j'habite à Cublon depuis 1989 au quartier des Perrettes. Madame Otero, j'habite à Cublon depuis 1998. J'étais à Crissier 36 ans, toujours en même place, toujours dans le même travail. Je suis très contente, j'habite à Croisé-Trois. Et puis j'apprécie tout ce que vous faites pour nous, tous. Et je trouve cette commune fabuleuse. Le conseil de syndic, les personnes âgées sont très entourées. Les moyens de communication sont excellents. Et je dois dire que tout ce qui est relationnel, personnel, est très bien. 2h du matin, 3h. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que les gérances émettent une sonnette obligatoire, ou la façon de contacter avec les gens qui sont en haut, parce qu'on n'a pas de cabine téléphonique, et pas tout le monde a un appel non plus. D'accord. Etc, etc. Alors, à ce niveau-là... Alors, effectivement, nous allons faire nos commissions, nous rentrons par cette entrée. Donc. Et puis, ça nous fait peur pour... certains regards qu'ils nous font, ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils traînent, pourquoi. D'accord, ok. Il n'y a pas d'autre place où ces jeunes peuvent... Mm-hmm. D'accord. Les temps ont beaucoup changé, il y en a une qui est négative par rapport à la situation, c'est-à-dire qu'on est moins en sécurité qu'autrefois, c'est pour ça qu'aujourd'hui on doit fermer les portes, mais c'est dommage quelque part qu'on doit fermer, on met une barrière supplémentaire, et pourtant, chez moi à l'immeuble, il y en a 3 qui se sont fait dévaliser, même en plein jour. Donc, je crois que les portes fermées sont devenues obligatoires. Moi, je ne suis pas pour une porte fermée du tout, mais il n'y a pas d'autre solution dans les temps qu'on vit. Et puis, voilà, l'évolution, elle s'est bien marquée. Par rapport à 30 ans en arrière, je trouve ça beaucoup changé. Vous parlez des cours, comme on l'a dit tout à l'heure, des cours d'informatique.
Alors, et ce serait un moyen peut-être que les... Est-ce qu'il y aura vraiment une place pour les aînés, réservée aux aînés qui puissent se rencontrer à n'importe, disons, quelle heure dans la journée? L'appartement protégé, ça fait plutôt un immense bloc qui nous tombe dessus. On attend de voir, peut-être quand il sera recouvert, voilà, j'espère que... Bon, quand on me parle qu'il sera noir, je ne sais pas si c'est ça, je ne comprends pas qu'on fasse noir, un truc comme ça qui va plutôt nous agresser. La banque réfait qui est noire déjà. C'est l'horreur. Est-ce qu'il y aura aussi un local prévu pour l'artisanat, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait découvrir certaines choses à faire? J'avoue que c'est un de mes vœux. Ça peut être dans le cadre de l'organisation de ce nouveau club des aînés du Cubain. Hein? Ça pourrait être ça, ouais. Peu d'animation, puisqu'on trouvait que le quartier était mort le dimanche, s'il peut y avoir quelque chose. On prend note. C'est que les habitants, les aînés sont globalement heureux de vivre à Cublan, sont globalement satisfaits en fait, dans tous les cas dans la région de la Plaine, des moyens de transport mis à disposition, des transports publics. Il y a un souci par contre, en fait, de partage de l'espace public entre les jeunes et les aînés. On sent que, oui, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui est mis, qui pourrait être convivial et agréable pour s'installer ou se promener, c'est vite investi par les jeunes. Et il y a peut-être un problème en fait, de partager cet espace dans le public entre les jeunes et les aînés. Il y a bon, évidemment l'animation de la place qui vient comme élément principal, on peut noter, des animations culturelles. La difficulté de l'animation du dimanche. Alors c'était une belle journée, incontestablement, mais surtout l'enquête faite était de super. Et je pense qu'elle peut apporter de bons résultats pour l'ensemble des personnes des Cublans. Je trouve que c'était très bien. Et je trouve que la commune devait faire ça plus souvent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, surtout la communauté étrangère, qui ne sont pas au courant de ce qui se fait dans la commune, malgré leurs droits qu'ils ont pour voter. Et qui ne votent pas. Voilà. Alors j'étais contente de voir qu'il y avait quand même... la population s'était dérangée. C'était convivial, très intéressant, et tout, quoi. On ne peut pas en dire plus. Ce fut une excellente matinée pour Écublan. On a appris des tas de choses. Et voilà. Et puis maintenant, on boit un verre, le verre d'amitié. Puis la fraternité, on va dire. Voilà. Ben, je suis étonnée du monde qu'il y a. Ah oui, alors positif. Hein. Ouais. Maintenant, on verra ce que dit la commune. Hein. Oui, ils sont contents. C'est ça, hein. On verra. En tout cas, ils ont bien organisé ça. Hein. Super. Et c'était très, très, très bien. Très bien, absolument. Oui, oui, c'est tout à fait ce que j'attendais, en fait. Hein. Oui, oui, alors, je n'ai pas été déçu. Ah ben, écoute, c'était une... Ça va, ouais. Non, c'était une super journée. Je crois que c'était une super matinée déjà, parce que personnellement j'ai été surpris, déçu en bien, de voir autant de monde venir. Hein, cette centaine de personnes, parce que j'y croyais pas au départ. Hein, j'y croyais pas au départ. Et puis, je crois que tous les thèmes sont ressortis. Moi, j'ai été surpris au fait que les gens soient d'accord, si vite d'accord, de participer aux ateliers. Je pensais qu'il y aurait des égarés, que des gens repartiraient quand on leur a parlé de se diviser en groupes.
Mais non, ils sont restés, ils sont venus, ça a participé. Et puis nous, avec modestement, avec notre octuor de l'écho des campagnes, je crois qu'on a participé aussi à la réussite de cette matinée. Alors écoutez, d'abord je tiens à remercier toute l'équipe qui a participé à cette étude. Et moi, le point positif, c'est que les gens ont appris à se rencontrer, dis-nous. Ouais. C'est quelque chose qu'il faudra faire aussi régulièrement, parce que les gens sont, surtout d'un certain âge, sont très seuls. Et là, le fait d'avoir activé cette étude, ça les a déjà resserrés, et ça crée des liens sociaux, je trouve que c'est ça qui est surtout positif. C'est extrêmement enrichissant. On a pu discuter, avoir une conversation, on va dire, à bâton rompu. Et puis, je dois dire que ça m'a apporté beaucoup à moi, au niveau policier, de pouvoir comprendre et saisir la vision des aînés. Voilà. Alors, expérience enrichissante. Je vous remercie. Voilà, bah, écoutez, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je m'attendais à, en tant que municipale du social, ben, voilà, je m'attendais à voir les souhaits des habitants, de nos aînés, pour pouvoir faire une politique publique qui leur est destinée et qui soit la plus adaptée pour eux possible. Donc je pense que là, j'ai obtenu beaucoup d'indices et beaucoup d'informations pour pouvoir le faire. Satisfaite alors de la matinée? Très satisfaite. Puis comme vous voyez, il y a beaucoup de monde, donc c'est parfait. Magnifique. Magnifique. Je pense que les personnes ont répondu présentes par rapport à ce qu'on attendait. Pour moi, personnellement, même un petit peu plus que ce que j'aurais pu estimer. Et puis oui, ben moi je suis satisfait aussi de voir que la municipalité a répondu présente, c'est-à-dire qu'elle est attentive et intéressée à poursuivre peut-être l'opération et surtout à donner un suivi positif aux demandes, aux souhaits, à l'intérêt qu'a montré la population depuis le début de ce diagnostic communautaire. Pour moi, voilà, c'est ça. Je suis très reconnaissant. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais pas seulement pour eux, mais avec eux. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé que c'était très bien, cette matinée. Effectivement, de voir qu'il y a beaucoup de monde, j'ai trouvé chouette. Puis je trouvais que les gens, ils avaient beaucoup de facilité à s'exprimer, puis à dire un peu leur avis. Ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette, ouais. On verra la suite, c'est ça surtout.